Et si vous prépariez votre propre bûche de Noël cette année ? Alice vous montre toutes les étapes dans la vidéo et tous les détails sont dans la description. Pour la génoise, séparez les blancs et les jaunes d'œufs et fouettez les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement en plusieurs fois au jaune. Dans la même préparation, ajoutez la farine, la levure et la vanille et mélangez de nouveau bien délicatement. Versez la préparation sur une plaque recouverte de papier sulfurisé ou une plaque à génoise et enfournez pour 10 minutes de cuisson à 180 degrés. Quand votre génoise est cuite et encore chaude, déposez-la sur un torchon humide et roulez-la dans le torchon. Laissez refroidir pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, déroulez-la délicatement et imbibez-la légèrement avec du lait. Étalez d'abord la purée de noisettes, ajoutez la compote et bien étalez partout. Roulez à nouveau la bûche comme sur la vidéo, placez-la sur un plat de présentation et mettez-la au frais. Pour garnir votre bûche, prenez un saladier bien frais. Ajoutez-y la crème liquide bien fraîche également, le mascarpone, la vanille et fouettez au batteur électrique jusqu'à obtention d'une consistance bien ferme et aérienne. Enfin, étalez la crème sur la bûche, laissez-la reposer au réfrigérateur au moins une heure et décorez-la avec les éléments de votre choix. Montrez-moi le résultat en story en mentionnant « Cuisiner pour bébé ».